Voilà, il est 7h du soir. J'ai fait environ, je pense, 25 bornes aujourd'hui. C'était dur, dur, beaucoup, beaucoup de cailloux, de racines. Ça monte, ça descend, ça monte pas beaucoup, mais c'est toujours un petit peu en pente, voilà. Donc le petit coin pour le bivouac ce soir, au bord d'une petite rivière, bien sympathique, là à l'abri du vent. Ça va être sympa. Bon ben voilà, petit montage classique, hein. C'est la première fois que je le monte. J'ai rajouté quelques boucles pour faire ce montage. Donc il est assez protecteur. Et avec quand même pas mal de volume. Voilà. Faire comme ça. Voilà. Bon, on est pas mal. C'est pas mal, ça aussi. Alors, ça y est, installation terminée. Voilà, j'ai tout mis dedans. J'ai même trouvé un siège et une table. Voilà, c'est nickel. Bon, bilan de cet essai, plutôt positif quand même, parce que bon, j'ai fait 25 bornes, c'est bien. Je suis pas trop mort, ça va. Par contre, mon bagage à l'avant, ça va pas du tout. Mettre l'eau devant, sur le porte-bagage avant, ça va pas, parce qu'un coup j'ai 2 kilos, ça va bien, et quand il n'y a plus d'eau, ben c'est les monocycles les plus équilibrés, correctement, donc ça va pas. Je pense que, je sais pas, va falloir que je prenne, je pense, un camelback avec l'eau dans le dos et la nourriture. Et devant, répartir des équipements. Je sais pas trop. Il va falloir que je réfléchisse à ça. En plus, le bagage devant est large et je touche là et ça commence un peu à me faire mal. À force de frotter, voilà, une bonne irritation. Et ce qui est à l'avant, et ben à chaque fois que je tombe, ça y broie tout. Voilà, c'est tout broyé, tout, voilà, tout ce qui craint, les sacs, ça les a défoncés, voilà. Donc pas mal de choses à résoudre, mais bon, je vais trouver une solution. Voilà, allez, et ben on va manger un petit bout. Alors, voici mon réchaud bois. En fait, ça se range comme ça. Hop, dedans les allumettes, de quoi allumer le feu. Le paravent. Voilà. Donc réchaud fabriqué par mes soins. Hop. Tout en titane. Le poids, je ne l'ai plus en tête. Je crois que ça tourne autour de 80. Oh bon. Hop. Et voilà. Ça a dessous pour éviter de trop cramer. Et voilà. Bon, allez, allumage du feu. Alors là, je suis en mode randonnée, donc le feu par friction, on oublie. J'ai pas envie de passer une heure à allumer le feu, bien que c'est ah. Si j'ai perdu le briquet, ça va être plus dur. Alors, j'utilise
un allume-feu maison. C'est de la résine. C'est de la résine de sapin que je récolte, que je dissous dans de l'alcool. Alcool à brûler. Ou... Ensuite, je fais tremper des chiffons dedans. Et puis, je les enroule sur un bois. Voilà. Et je les fais sécher. Donc ça fume très bien, ça fume un peu, oui, au départ, mais ça prend très bien. Bien sec. Ah, pas de problème. Plutôt efficace hein, là. Hein. Wow. Voilà. Voilà, le réchaud bois, très bien. Ça fait pas 2 minutes que c'est sur le feu, c'est déjà en train de bouillir. Ça va même trop vite. Bon, ça cuit toujours. On voit quand même que le ruisseau il monte bien parce que ouais, jusque là-bas, hein, tout ça, toute cette zone est inondée l'hiver, donc quand même il doit bien descendre de l'eau par moment. Hein. Bon, en tout cas, pas de problème pour trouver du bois. Bon, ben voilà. C'est cuit. Bon, ben c'est pas de la grande gastronomie, hein, mais c'est poids oblige. Un bout de saucisson. Voilà, ça, de la semoule. Des choses secs. Les soupes, quand même. Après, faire une petite soupe. Ah bon. Un peu de fromage, quand même. Là. Faut le sortir du frigo un peu à l'avance. Ouais. Le réchaud est très efficace. Hein. Il faut très peu de bois pour faire bouillir. C'est rapide et facile d'utilisation, ça laisse pas de traces. Demain quand je repartirai, il n'y aura rien de brûlé. Donc voilà. Allez, on va casser la graine. Bon, la nuit s'est bien passée, même s'il y a eu un peu de vent. J'ai bien fait de mettre des renforts, des grosses rafales par moment. Donc là, je reste à l'abri pour le petit déjeuner. J'ai rapproché mon feu. Ce que je voulais vous montrer, c'était ça. C'est mon duvet. Et en fait, voilà. C'est juste une couette. Et je referme avec des élastiques. Et donc... L'avantage,
c'est que je module le volume. Donc là, j'ai un grand volume. Je ne sais pas combien j'ai peut-être presque... Je dois avoir 95 cm à l'intérieur, donc c'est beaucoup. Et lorsqu'il fait froid, je fais descendre la plume et je vais réduire le volume. Comme ça, j'ai un plus petit volume avec toujours la même quantité de plume. Voilà. Mais pas de fermeture éclair, pas de capuche. Hein. Donc, jusqu'à zéro, ça n'a pas de souci. Donc je pense qu'on peut descendre en dessous encore. Voilà. Allez, petit déj. Voilà, retour à la voiture. Hop. Il est 9h30. J'ai dû mettre 1h30, je pense, ou 1h. Je sais pas à quelle heure je suis parti. C'était vachement roulant sur la fin, là, donc très bien. Par contre, beaucoup de vent. Et assez dur de tenir l'équilibre. Voilà, pas facile. Mais tour de la Valette réussi!